Chamusebu, oh, yo, ile, inalea, ya, kudu, chamusebu.
urafiki. Alisema kwamba uwe dunia kuwabeba ninyi. Upendo bali Yesu alikufa. Oh Yesu, Yesu afiki. Nitamrudishia nini? Bwana Yesu mateso mengi alipata. Sababu yangu Yesu alikufa. Oh,
Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié à jamais. Jina Mungu wetu tukuziwe milele. D'ici peu nous quitterons cette terre. Karibu hapa tutatoka pa dunia. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs dans cette terre. Tuko wasafiri na wageni pa dunia. C'est pour cela que vous devez garder la foi. Joko maana mnapasha chunga imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Est-ce que vous êtes réellement dans la joie ce soir? Tuko kweli Mungu mfuraha mangaribi ya leo. Si réellement tu es disposé, Jésus va te parler. Parce que le Seigneur agit dans le cœur qui croit. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce soir, Léo Mangaribi, nous allons parler sur à quoi sert de prêcher un Dieu historique s'il n'est pas le même ce soir. Tutasemea njuu ya itasaidia nini kubiri Mungu wa hadithi kama ana ule yule Mungu mangaribi ya leo. Amen. Amen. A quoi sert? Tasaidia nini? De prêcher un Dieu historique. Kubiri Mungu arishi. S'il n'est pas le même ce soir. Kama ana yule yule mangaribi ya leo. A quoi sert de prêcher le Dieu de Moïse? Tasaidia nini kubiri Mungu wa Musa? Si ce soir il n'agit pas avec toi. Kama mangaribi ya leo asitende na wewe. A quoi sert de prêcher le Dieu de William Marion Branham? Si ce soir il ne te répond pas à ta situation, à quoi sert de prêcher le Dieu de Sarah? Si ce soir il n'agit pas avec toi, ma sœur. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de ces dieux historiques. Atuna lazima yule Mungu arishi. O Arifuanyaka. Aritendaka. Si il est un dieu historique, arishi, à quoi sert de prêcher l'évangile? Si il est un dieu historique, à quoi sert de venir l'adorer? Amen. Amen. Soyez disposés ce soir. Ukwetu mwenye kwa tayari mangaribi ya leo. Et Jésus va te parler. Na Yesu atasemezana na wewe. Pour honorer la parole de Dieu, Joko heshimisha sauti ya Mungu. Nous allons nous lever. Tashimama. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13. Tutasoma mwa Ebrania 10 na 3. Le verset 8. Mwa Ebrania 10 na 3 mustari yake ya 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mujina Bwana Yesu Kristo. Chishikata, amen. Amen. Ne soyez pas distrait. Amen. Amen. Dieu parle selon les dispositions de vos cœurs. Mungu anasemezanaka na bantu kufatana na utayari ya moyo wabo. L'on peut préparer la prédication. Mais Dieu connaît vos cœurs. Il faut qu'il puisse te parler pour que tu sois satisfait. Inapasha asemezane na wewe njoo akufurahishe. Amen. Amen. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et le même hier. Eko yule yule jana. Aujourd'hui. Leo. Et éternellement. Na milele. Inclinons nos têtes. Tunamisheni vichwa yetu. Notre Dieu et notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Nous te disons encore merci ce soir. Tunakupigia tena asante mangaribi ya leo. Pour ton amour dans notre vie. Njoo ya mapendo yako maisha yetu. De ce que tu as conduit nos pas ce soir. Ya vile ulongoza matua yetu mangaribi ya leo. Nous avons abandonné nos maisons. Tuliacha manyumba yetu. Nous sommes venus te suivre. Tunakuwa kufuata. Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme. Bwana tukuwe kuona mtu. Nous sommes venus voir Jésus. Tulikuwa kuona Yesu. Comme Zachée. Avait le désir de voir Jésus. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi Dieu je me laisserai trouver parmi vous. Ce soir nous te cherchons de tout notre cœur. Nous avons besoin de te voir toi Dieu en scène. Ce soir, nous n'avons pas besoin de ces dieux historiques. Ce soir, on a besoin de Jésus. Parce que le Jésus que nous nous prêchons ce soir, tu n'es pas la tombe. Tu n'es pas la croix. Tu es vivant. Même ce soir, tu agis. Même ce soir, tu bénis. Même ce soir, tu guéris. Nous ne voulons pas qu'on puisse retourner tel que nous sommes venus. Oh Seigneur,
descends. C'est dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous ce soir. Parce que tu avais dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es avec nous ce soir. Nous te le demandons avec foi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le même hier. Aujourd'hui. Léo. Et éternellement. Pourquoi il est le même hier? Parce que de la même manière qu'il avait traité avec Abraham. De la même manière qu'il avait traité avec Élie. De la même manière qu'il avait traité avec Jacob. De la même manière qu'il avait traité avec Paul. De la même manière qu'il avait traité avec Pierre. C'est de la même manière qu'il traite même avec nous ce soir. Amen. Amen. Il ne change pas sa manière d'agir. Et il a dit, moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, comme mon pasteur l'a toujours dit, le problème que tu as, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ta maladie que tu as, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Les difficultés que tu as, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Notre foi n'est pas basée sur la réalité. Notre foi est basée sur la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je l'ai toujours dit, dans la vie d'un chrétien, c'est la vie du haut et le bas. Ni maisha ya unapanda. Il n'y a jamais eu la vie sans épreuve. Il n'y a jamais eu la vie sans problème. Il n'y a jamais eu la vie sans difficulté. C'est normal. Ni sawa. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas baser notre foi à cela. Notre foi est basée sur la vérité. Si je suis malade, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je suis votre Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Ton problème que tu as, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité n'est que je suis le Jéhovah Jireh, un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Amen. Amen. Ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahim, où est-il? Ekwapi. Le Dieu de Sarah. Mungu wa Sarah. Sarah a 65 ans. Elle avait déjà dépassé la ménopause. Mais ce Dieu-là, le Dieu de Sarah, Mungu wa Sarah, où est-il dans ta vie? Ekwapi leo. Nous avons besoin d'expérimenter ce Dieu-là. La parole que nous vous prêchons n'est pas seulement une théorie. Comme Paul l'avait dit, l'évangile est venu à nous. Non pas seulement à parole. L'évangile est venu à nous. Non pas seulement à parole. Mais avec puissance et la démonstration de l'Esprit. Branham est dans la tombe. Kimbangu est dans la tombe. Mahomet est dans la tombe. Ce soir, il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. C'est la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas laissé son église à Kentucky. Jésus-Christ n'a pas laissé son église au Branham Tabernacle. Jésus-Christ a laissé son église dans la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Ce qui était en Dieu, Dieu l'avait déversé en Jésus-Christ. Et ce que Christ était, il les a déversés à l'église. Nous devons expérimenter et vivre les œuvres du Saint-Esprit dans l'église. À quoi servirait le Dieu de Branham si ce soir il n'agit pas avec nous? Amen. Amen.
Nous avons besoin d'un tel Dieu. Nous le prions. Et il répond. Frère Branham a dit, Dieu Mungu n'a pas d'autre travail au ciel si ce n'est que de répondre aux prières de saints. Et il n'a pas d'autre travail. Il n'a que le travail de répondre aux prières de saints. Ce soir, si tu as la foi, tu vas l'expérimenter. Que cette année-ci, ça doit être une année de la différence. 2022, ça doit rester une, ça doit être une année vraiment historique. 2022, n'a pas quoi et moi comme moi d'ici. Ils nous ont pas seulement sauvés. Ils nous ont pas accordé seulement les salis. Mais ils nous ont accordé encore de très très merveilleuses promesses. Des promesses qui sont écrites dans la Bible. Ce n'est pas pour accomplir au ciel. La Bible dit, le royaume des cieux commence d'abord sur la terre. Nous devons d'abord expérimenter cela. Amen. Amen. Dieu de Branham, Mungu Branham, bien mes frères et sœurs, Bapendanduna dada. Un jour, Élie devait être enlevé. Chikumwa Élie alipashaka kupanda kumbingu. Élisée, Elisha, avait pressenti quelque chose. Alifikaka kitu kimoya. Élisée a dit, Elisha alisema, l'Éternel est vivant. Wa milele kwai. Ton âme est vivante. Nafsi yangu wai. Je ne te quitterai pas. Mista kuachana na wewe. Élie et Élisée. Élie na Elisha. Ils étaient en marche. Balikuwa musafari. Ils sont arrivés au Jourdain. Balafika au Jourdani. Élie a dit à Élisée. Élie a demandé à Élisha. L'Éternel est vivant. Wa milele kwai. Ton âme est vivante. Nafsi yako kwai. Je ne te quitterai pas. Hatutachana na wewe. Élie a dit à Élisée. Retourne. Élie a demandé à Élisha. Le Jourdain. Élie a demandé à Élisha. Rudia mami na penda kutambuka. Jourdani. Élie a pris le manteau. Élie a kabeba nkochi. Il a frappé. Akapika. Et le Jourdain. Na Jourdani. A été divisé en deux, ils ont tous ils ont traversé. Il kabulana pa bipandembili na ba wote wakapita. Quand ils sont allés au-delà. Wakati walienda ngambo. Ils sont arrivés de l'autre côté. Alifika ngambo ingine. Élie a dit maintenant. Élie akasema sasa. Je voulais être enlevé. Napenda kunyanyuliwa. Quel est ton problème? Sasa mambo yako ni nini? Élisée a dit. Élisha akasema. J'ai besoin. Ni una lazima. Que Dieu puisse me donner Mungu ton esprit en double portion. Apate kunipatia roho yako mara mbili. Élie a dit à Élisée. Élie a dit à Élisha. Il a demandé une chose tellement. Il n'y a que Dieu qui peut te les donner. Unalomba kitu kimwapaka Mungu tu ndiye anayekupatia cho. Élisée. Élisha. Élie lui a laissé le manteau. Élie alimwachia le nkochi. Qui pipifie la parole. Imana neno. Élisée commence à retourner. Élisha kaanza kurudia. Élisée commence à retourner. Élisha kaanza kurudia. Et quand il est retourné. Wakati anaanza kurudia. Élisée. Élisha. Est arrivé toujours au même jour. Alifika paka pa Yordani moya moya. Alléluia. Amen. Élisée, Élisha, n'était pas un fanatique d'Élie. Je crois que toi, vous pendez là. Quand nous fûmes traversés ici, avec l'hôpital, le prophète Élie, il avait pris le manteau, il avait frappé. Nous tous sommes traversés ensemble. Élisée, Élisha, a expérimenté la même chose qu'Élie avait expérimenté. Élie, Élisée, Élisha, a pris le même manteau, il a frappé. Où est le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'est tiré en deux parties. Lui aussi a traversé. Où est le Dieu de Branham? Parce que Frère Branham avait dit, partout ce message sera apprécié dans sa pureté. Les œuvres que je fais vont aussi vous accompagner. Alléluia. Amen. Si réellement, c'est la même parole que Paul a prêché, c'est la même parole que Pierre a prêché. La même parole que Branham a prêché. Où sont les œuvres du Saint-Esprit? S'il est le même Dieu, ce soir, qu'il puisse te guérir. S'il est le même Dieu, ce soir, comme on connaît Kaji, mon petit Kaji. S'il est le même Dieu de Sarah, comme on connaît Sarake, mon garibi Aléo, mon petit Mouzazi. Alléluia! Nous avons besoin d'expérimenter cela. Lazima ya kuonja ile. Alléluia. Amen. Est-ce que Branham a marié Frère Branham a fait? Pas tout simplement une histoire. Et pour tout ce message, c'est la
prêcher dans sa pureté. Nous avons besoin d'expérimenter cela. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ne doutez pas. Plus tu regardes dans la grandeur des problèmes, plus la foi diminue. Regardez la grandeur de ce Dieu qui nous a promis. Et il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux et incomparable. Mungu wa kushangashisha na hashezi hata kulinganishwa. Dans sa prédication, mahubiri yake, il y a plus que Salomo. Kwa kupita ta Salomoni. Paragraphe 41. Paragraphe yake ya 41. Écoutez. Sikieni. À quoi ça sert de prêcher un Dieu historique s'il n'est pas le même ce soir? Itasaidia nini kuhubiri Mungu hadisi kama na yule yule mangaribia leo? À quoi sert-il de prêcher un Dieu de Moïse s'il n'est pas le même ce soir? Itasaidia nini kuhubiri Mungu wa Musa kama na yule yule mangaribia leo? À quoi sert-il de prêcher un Christ qui ne guérisse? Itasaidia nini kuhubiri Kristo lakini yule Kristo ashipa kutunzana? À quoi sert un Christ qui guérissait, Christ, ule alianza kutunzana, et accomplissait des miracles, alianza ma mijiza, si n'est pas le même ce soir. Yule yule mangaribia leo. À quoi sert-il de prêcher Jésus-Christ qui guérissait, itasaidia nini kuhubiri Yesu Christ, et qui accomplissait des miracles, ule alianza kufanya mijiza, si n'est pas le même kama ce soir. Yule yule mangaribia leo. Si n'est pas, kama ana kile, je n'ai rien à voir avec lui. Shina tana mambo na ekumbe. Car c'est la Bible. Kwani ni Biblia. Il est le même hier. Yule yule jana. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Si ce n'est pas la vérité, alors la Bible est un mensonge. Bashibale Biblia ni bongo tu. Vraiment. Hakika. Et si c'est la vérité, na kama ni ukweli, alors bashi. La Bible a la raison. Biblia ina sheria. Et il n'y a un Dieu vivant. Non pas une forme morte de crédé ou de dénomination. Apana ali moa tu ya kufa hivi ya kizebu. Ou ainsi de suite. Hao bingine vya kufuata. Mahomet peut produire ça là. Mahomet anezi kuzalisha sara. Bouddha peut produire ça. Bouddha anezi fanya bile. N'importe quel idole peut produire ça. Hao sanamu yote yote anezi kutosha ile. Il peut produire tout autant psychologique. Laissez-moi vous dire une chose, frère. Il n'y a eu seulement un seul qui ait jamais vécu, qui ait mouru et qui ait ressuscité. Et il reste le même ce soir. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit et qui règne et qui répond à chaque parole et à chaque promesse qu'il a prononcée. Il n'y a que Jésus-Christ, le vivant même ce soir. Alléluia. Amen. Il ne change pas sa manière d'agir. S'il avait fait avec les autres, il est capable de le faire aussi avec toi. Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Mukwe na imani ndani ya Mungu. Si tu pries, tu pries, le Seigneur n'agit pas. Kama naomba, naomba Mungu asitende. Arrête-toi d'abord. Shimama mbele. Vérifie-toi. Ujichunguze. Qu'est-ce qui empêche pour que Dieu ne puisse pas me donner la solution à mon problème? Nini kunazuiza njoo Mungu asipate kunijibia kwa mambo yangu? Qu'est-ce qui empêche pour que Dieu puisse me donner la guérison? Nini kunazuiza njoo Mungu asipate kunitunza? Pour qu'est-ce qui empêche Dieu qu'il puisse me donner la délivrance? Nini kunamuziza Mungu njoo apate kunikomboa? Pose-toi d'abord la question. Ujiulize mbele. Parce que na Mungu amarishi. Parce qu'il n'est pas Dieu. Comme on a bien toi bien dit. Si tu vois que les choses ne marchent pas. Si maman belle. Arrête-toi d'abord. Ou tu examines. Examine-toi. Amen.
soit c'est le péché. Parce que la Bible dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui vous cachent sa face, et il empêche même de vous écouter. Si tel n'est pas le cas, si ce n'est pas le péché, soit c'est une épreuve, soit si ce n'est pas une épreuve, soit ce n'est pas la volonté parfaite à ce que toi tu demandes, soit tes objectifs et tes motifs ou bien la foi n'est pas correcte à ce que tu demandes. Sois équilibré. Amen. Parce que si on ne voit pas sa main, posons-nous la question. Ou encore, ça ni Mungu ou bien ni Mie. Celui qui est fautif, c'est Dieu ou c'est moi? Écoutez ce que le prophète dit. Dans sa prédication. Pourquoi? Page 7. Il faut qu'il y ait un type correct de motif ou un objectif. Si votre motif est correct, votre objectif est correct, et que votre foi soit correcte, étant donné que vous sentez que c'est la volonté de Dieu, rien ne peut empêcher la chose s'accomplir. Si votre objectif est bien, est correct, motif votre motif est correct, et ta foi est encore correct, et ce que tu es en train de demander, c'est la volonté de Dieu. Et rien, absolument rien, peut empêcher la chose s'accomplir. Amen. Amen. Il continue de dire. Anasema, la divinité expliquée. Paragraphe 123. Il dit ceci. Anasema hivi. Et tant que vos motifs sont faux, peu importe quel est votre objectif, mais lakini, que vos motifs lakini, pour cet objectif sont faux, alors ça ne marchera jamais. Pale mambo itendeka kamwe. Je le répète. Minarudiri hapo. Et tant que vos motifs sont faux, sa vile bifukuziwe vyenu viku vya bongo, peu importe quel est votre objectif, hata kama kenye ile wanafukuzia kiku je, mais que vos motifs pour cet objectif sont faux, lakini masababu yenu njua kile kifukuziwe kwa ya bongo, alors ça ne marchera jamais. Pale mambo itendekaka kamwe. Abitendeka. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Habita fanika kaka moins. Avertissement puis jugement. Kukalamushu akisha hukumu. Suivez-moi très attentivement. Munifuate na usikilivu wote. Dieu, Mungu. Avertissement puis jugement. Kukalamushu akisha hukumu. Précieux le 24 juillet 1963 soir. Ile barubiriaka le 24 juillet 1963 mangaribi. Paragraphe 53-54. Paragraphe yake makumi tano na tatu, makumi tano na ine. Dieu, Mungu, ne lui a pas répondu. Asikumujibu wake. Qui? Nani? Ezekias. Ezekias. Non. Apana. Ezekias. Ezekias. Ce n'est pas vrai. Aina mzuri. Il a admis. Aina kweli alichikia. Il en était ainsi. Il kwa hivi. Et lui a répondu. Nali mujibia. J'épargnerai ta vie. Kweli nitaepusha maisha yako. Pendant quelques temps. Kadiria masiku chache. Encore. Tena. Et je t'accorderai ce que tu demandes. Na nitakupatia kile unalomba. Car Ezekias avait été. Ezekias était un homme juste. Kwani Ezekias alikuwa mtu mwenye haki. Un vrai serviteur de Christ. Mutumishi wa kweli wa Kristo. Nous sentons. Tunasikia. Alors que yaksema, nous avons les droits
de demander quelque chose si notre but et nos motifs sont justes. Ah, tunajua kusema tu kuna haki ya kulomba kitu kama kifukuzio na mania yetu iko sawa. Amen. Amen. Nous sentons alors que nous avons le droit de demander quelque chose si notre but et nos motifs sont justes. Là, tu as le droit. Mais si votre objectif, si votre motif n'est pas vrai, ça ne marchera jamais. Seigneur, donne-moi la voiture. Objectif yako. Votre objectif. N'yau pas ta gare. Et d'avoir un véhicule. Mais motif yako. Mais sababu. Quand si Dieu me donne un véhicule. Dans atuku betiana nayo. Je commencerai à faire la concurrence avec. Seigneur. Baba. Donne-moi l'argent. Unipatie feza. Donne-moi le boulot. Unipe kazi. Dieu te regarde. Mungu anakuangalia. Objectif qui fukuzio iko bien est correct. Mungu unipe makuta. Dieu donne-moi l'argent. Motif sasa sababu kenye kiloko nalombele makuta tama bana muki. En tout cas je dois commencer à suivre les femmes. Daniako en toi y a encore livronnerie muko tena bulevi. Daniako en toi nikipate makuta si j'ai l'argent wa bibi wa pire je dois prendre la deuxième femme. Est-ce que réellement votre objectif et motif sont corrects? Et qui fukuzio, qui le wana fukuzia na sababu, et bigusawa? Il faut voir l'objectif. Il n'a pas chaque quoi qui fukuzio. Il faut voir réellement la raison pour convaincre Dieu. Il n'a pas chaque quoi qui fukuzio na sababu njou moi qui kishie mungu. Comme Ezekias. Ça va Ezekias. Ainsi dit l'Éternel. Ezekias tu mourras. Ezekias tu takufa. Ezekias. Ezekias. Il était tellement malade. Alikuwa mgonjwa kabisa. Ezekias. Ezekias. Anaomba. Il a prié. La prière de la foi. Naombi ya imani. Change les choses. Inabadilishaka mambo. La prière de la foi. Naombi ya imani. Change la mort à la vie. Inabadilishaka lufu lokwa buzima. Ezekias. Ezekias. Lorsqu'il priait. Wakati aranza kuomba. Il était réellement convaincu que ses motifs et ses objectifs et sa foi étaient corrects. Akika alikuwa mwenye kuhakikishiwa kusema masababu yake na kenye kile kwa nalombea na imani yake biote bilikuwa sawa. Ezekias. Ezekias. Le plaira. Akaria. Seigneur. Bwana. Souviens-toi de moi. Unikumbukeko. Duku yangu na dada yangu. Mon frère et ma sœur. Wele wako kutoa au towachi. Pa aussi offrir tu n'offres pas. Ukabula au kabulaki. Partager tu ne partages pas. Kutumikia Mungu atakukolopa au kolopaki. Servir Dieu venir torchonner ici ça n'a jamais fait. Naomba. Alors en priant. Mungu nae atakukumbukia kunini. Par quoi est-ce que Dieu peut s'en souvenir de toi? Souviens-toi de moi. Yes, lui ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Dieu regarde les problèmes que j'ai. Souviens-toi même du temps où j'ai toujours te chôné pour toi. Il va s'en souvenir de toi. C'est comme à Opelekak. La dîme, tu ne donnes pas. Offrande, tu ne donnes pas. L'offrande, autoaki. Bien aimés frères et sœurs. Ça, ça va nous croire. Le salut. Dieu a donné ça gratuitement. Le Saint-Esprit. Dieu a donné ça gratuitement. Même la guérison divine. Gratuitement. Mais les biens matériels. Tout le monde va vous partir franc. Pour que Dieu puisse te donner l'argent. Dona, dona. Ni wona letea mona yana letea. O pesi et pas pesi. Waouh, on a mon pana yana kupa. Jovile. Frère, si tu ne peux pas mon moi tu fais si bile bile tu la peine. Frère, nous avons toujours voulu que Dieu fasse selon notre volonté. Bile yana pena tu mufanisi tu mufanisi. Mais c'est que lui voulait, voudrait qu'on fasse pour lui et on ne le fait pas. La Bible dit. Bible yana sema.
Prenons d'abord Josué. Tubembe le Yoshua. Josué chapitre 1er. Yoshua sura ya kwanza. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Après la mort de mon serviteur. Kisha lufulwa Musa. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Kisha lufulwa Musa, mtumishi wa milele. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Wa milele akamonesha Yoshua, mwana wa Nunu na mtumishi wa Musa. Moïse, mon serviteur, est mort. Musa mtumishi wangu anakufa. Maintenant. Sasa. Lève-toi. Lamuka. Passe ce Jourdain. Tambuka Yordani. Toi. Weye. Tous ces peuples. Na watu wote. Pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Juya kuingia muinchi ile nilipatia watoto wa Israeli. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Fasi yote pale mikulu yenu itakanyanga mimi nilimpatia hapo. Comme je l'ai dit à Moïse. Na vile Mungu alisema kwa Musa. Pour gagner du temps, verset 5. Mustari ya tano. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna mtu anaweza kushimama kupimana na wewe wakati wote toka mjima. Je serai avec toi. Kwa pamoja na wewe. Comme j'étais avec Moïse. Kama nilikuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Sitakuachaka kamwe. Et je ne t'abandonnerai point. Sitakutupaka kamwe. Fortifie-toi et prends courage. Ujipe nguvu na endelea kumwe. Kwani c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai de leur donner Ni wewe ndio utaweka hii taifa ipate kuingia mwile inchi nililapaka kupapatia kwa njoo baba yabo. Verset 7. Mstareka 7. Fortifie-toi. Ujipe nguvu. Seulement. Ujipe tu nguvu. Et bon courage. Nakankamana. En agissant fidèlement selon toute la loi que j'ai prescrit à Moïse mon serviteur. Mukutenda na waaminifu wote kufuatana na sheria ile nilimpatiaka Musa mtumishi wangu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ushichola takume au kushoto. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Upate kwanza kuweza mumambo yo mkazi yote lotaanza kufanya. Il a dit, akasema, si tu veux avoir de succès dans tout ce que tu entreprendras. Kama unapenda kwanza kuweza mumambo mkazi yote lotaanza. Oh, japo que ce livre de la loi. Ikitawa sheria. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il a dit à Josué. Josué. Si tu veux que je sois avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Si tu veux que je puisse faire de grandes choses. Avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux avoir de succès. Dans toutes tes entreprises que tu fais. Agis fidèlement selon la loi de l'Éternel. C'est ainsi que tu réussiras. La bénédiction de ce peuple. Baraka ya watu. Était basé sur l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance paye. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, comme Abraham, si tu veux berger Dieu, comme Abraham, l'obéissance à la parole de Dieu. La foi. Imani. Marche ensemble avec l'obéissance. Par la foi. Imani. Et l'obéissance. Ils furent bénis à Cana. Akabarikiwa kukanana. Et ils ont pris pour ils ont pris possession à Cana. Nabalishika Cana inakuwa inchi yao. Mais à cause de désobéissance. Lakini njoo kutokutii. Ils ont allé en captivité. Barienda mbutumwa. L'obéissance. Utifu. Paye. Inaripaka. La foi. Imani. Marche ensemble avec l'obéissance à la parole. Inatembeaka pamoja na utiifu neno.
Vivez la parole de Dieu. La Mungu. Vous allez expérimenter sa mère. Mutaonja mkono wake. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Tantôt mukuru mubia Mungu, tantôt mukuru mubia dunia. Tantôt vous êtes du côté de Dieu, tantôt qui va expérimenter Dieu comment? Mutaonja Mungu Dieu. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Alisema mushangaike kitu. Ne vous inquiétez de rien. Mushangaike kitu. De quoi mangerions-nous? Oh, tutakula nini? De quoi serons-nous vêtis? Oh, tavala nini? Kama Mungu yuko narisha bandeke. Si Dieu est en train de nourrir les oiseaux. Dadangu atashina tu kupatia byakuli. Est-ce que ne sera-t-il pas te donner à manger? Je parle leo maisha ba Kristo ngo pakase ma mécanique. C'est pourquoi aujourd'hui la vie chrétienne est mécanique. À forcer. Dès que Mbelevo na imana yasa na lala, kesho atakuri. Asina tana shamba, asipandake asivunake. L'oiseau n'aime pas. Mungu tu ne mihubiri. L'oiseau n'a même pas la foi, il n'a même pas les champs, il ne sème pas, il ne cultive pas, mais Dieu les nourrit. David a dit, Daoudi alisema, j'étais jeune, nirikwakiana, maintenant je vieillis. Sasa mina zeka, je n'ai jamais vu. Kamwe, l'existe abandonné. Mwenyaki, ni sa postérité mandia le père. Ata batoto yake kulomba mkate. C'est nous qui sommes croyants aujourd'hui qui allons prendre des dettes aux païens. C'est compliqué. Ah, il n'a voulu croire vous. Dieu a dit vous ne serez jamais la quête. Vous voyez, c'est moi qui vous dis que vous êtes là. Mayani. Les herbes. Mungu, elle a varié qu'à Miti. Dieu veut même les arbres. Mais dado, on a goûté à Mangou à couvoir. Mais ma sœur, tu manques même les habits à porter. Nawe. Et toi? Namiti. Et même les arbres. Il y a de la valeur devant Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. David a dit. Daoudi alisema. J'étais jeune. Nilikuwa kijana. Seli mu jeunesse yake yote. De toute sa jeunesse. Ashikola ke mtoto wa Mungu. Il n'avait pas vie. Mungu anamwachiria. Un enfant de Dieu abandonné. Na ananza ku postérité yake inaanza kulomba chakula. Sa postérité commence à manger, à manger. Alléluia. Josué. Joshua. Si tu veux que je sois avec toi. Comme on a peine d'aller pas n'était pas moi. Comme j'étais avec Abraham. Comme j'étais avec Ibrahim. Comme j'étais avec Moïse. Comme j'étais avec Moïse, pas moi na Moussa. Si tu veux toi Josué. Comme on a peine d'aller Joshua. Avoir de succès dans tout ce que tu as dans ta vie. Weza mu mambo yote lotanza kufanya. Succès dans tes entreprises. Weza makazi yako. Vis seulement ma parole. Ishi tu ineno yangu. Observez-les correctement. Oui, kweli uichunguze. Kwa sauti ya Mungu. Na imani yote, vivre avec Dieu. Sema, ce n'est pas que. Pas la charité kaka. Si tu es prostitué. Vivre la parole de Dieu. Sois la sauti ya Mungu. Kuleta nayo dim. Donne aussi la dîme. La dîme est l'offrande régulièrement. C'est vivre aussi la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu ne donnes pas la dîme et l'offrande, la Bible dit que tu seras maudit. La Bible dit que tu seras maudit. C'est ce que dit Malachie. Et sema. Vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? Dans des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi vous êtes frappé par la malédiction. Examine-toi. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, arrête-toi, vérifie-toi d'abord. C'est ce qu'il a dit, non? Deutéronome 28. Makumi mbili na munane. Écoutez ce que Dieu dit. Musikiele anasema. Verset 15. Musarai ya 15. Mais lakini si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Kama utii kusauti ya milele Mungu wako. Si tu n'observes point. Na kama au angalie. Et ne mets pas en pratique tous ses commandements. Na utumikie amri yake yote. Et toutes ses lois. Na masheria yake yote. Que je t'ai prescrit aujourd'hui. Ni kuandikia leo. Voici. Tazama. Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Angalia malana yote ile itakuwa yulu yako na ile utaanza kuishi. Tu seras maudit dans la ville. Utalani mumuji. Tu seras maudit dans les champs. Na utaanza kulaniwa hata mashamba. Upa unapanda. Et tu vas semer. Bilulu binakuria vitu vyote. Les insectes viennent et mangent tout. Tu n'as pas coutume pour la tombola. Et tu commences même à murmurer. Ta corbeille est taïche, seras maudite. Kitunga yako na fashion yake aka byakunwa kweli. Les fruits de tes entrailles.
matunda ya tumbo yako. Le fruit de ton sol. Matunda ya budongo wako. Le porte et de gros mini betaya. Kweli milango afasho nafukia kama nyama bakuna. Tous ces choses seront maudites. Biote bitalaniwa. Tu seras maudit à ton arrivée, à ton départ. Utalaniwa mkwenda kwako na mkurudia. Vous allez continuer même à la maison. Mutendelesha ta kunyumba kusoma hii. Si tu n'obéis point. Kama uti. Malédiction sur malédiction. Laana yulo laana. Na panda minji. Tu sembles le maïs. Premier ça ikana keko. Kuleta kwele ya kwanza ile banaleta katina jamais donné. On a ça pour récolter malamoué, ni ripio tout ma somo. Toi tu commences à récolter que j'ai pris d'abord le ménéval, que j'ai fasse. Placez d'abord Dieu en première position. Ouais, ouais, kambele Mungu mambo ya kwanza. D'abord Dieu. Ya kwanza Mungu. Je parle dans mon programme, mon pas la famille, mon projet Abibambe. C'est pourquoi même les projets ne tiennent pas. Frère le maïs, cette année ça n'a pas tenu. Je ne sais pas comment vont les choses. Arrête-toi. Et vérifie-toi. Est-ce que tu obéis réellement à la voix de l'Éternel ton Dieu? Si tu obéis, Deutéronome 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toute la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront. Qui se reprendront devant toi? Qui seront ton partage? En condition, il a tout. Lorsque tu obéis, la nature de si, la nature de si, c'est une condition. Si tu obéis, tu seras béni. Kweli utabarikiwa. Si tu n'obéis point, kama uti, tu seras maudit. Pale utalaniwa. Il a dit à Josué, si tu veux que je sois toujours le même hier, aujourd'hui, pour que j'agisse avec toi, observe toute la loi que Dieu prescrit à Moïse mon serviteur. C'est ainsi que tu réussiras. Tu feras tout simplement un petit rien. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. N'importe quel travail. Comme on est première position. Si tu me dis en première position. Tu vis la parole de Dieu comme il faut. Neno la Mungu vile la pashwa. Batakushika buloji. On dira que tu deviens sorcier. Si le diable. Kama shetani. Agit. Et on attend. Dieu aussi agit. Mungu na on attend. Paka mama dawa. Toujours les fétiches. Ils vont chez les devins. Les fétiches pour l'argent, ils ont construit, ils ont fait. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Est-ce que vous ne voyez pas cela? Mais maintenant, s'ils sont fétichés, Dieu a dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, si notre Dieu est puissant, ça sera Mungu et Dieu dit, na Mungu la les dieux sont incapables de marcher. Na, vale. Leur Dieu, Mungu abo, Mungu sont incapables de marcher. Atuna na uwezo kutembea, incapables de parler. Atuna na uwezo kusema. Mais on l'a évoqué. Mais on l'évoque. Il leur donne, je ne sais pas, les dollars. Mais ou si le diable agit, comment Shetani qu'on attend? Dieu aussi agit. Mungu et tu n'as qu'on attend. Prenez Dieu au mot. Mwanze kumbambia Mungu vile konasema. Amen. Amen. Prenez Dieu au mot. Umbambe Mungu vile vyenye konasema. Vivez sa parole. Ishi neno yake. Expérimentez-le. Umwonje Mungu. Et il faut avoir la foi. Na inapasha kuwa na imani. Ma motif yenu. Vos motifs. Ma objectif yenu. Ma sababu yenu. Ikuwe correct sa efficace. Que ça soit correct comme. Il agira. Atatenda. Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il est en asema. Dans sa prédication, un paradoxe. Maubiri yake wakusangashisha. Et tout homme, na mutu wote,
qui croit Dieu Mungu, et le prend au mot, peu importe les circonstances, Dieu va accomplir un paradoxe avec lui. Mungu na yeye. Pour tenir sa parole. Ya kushika neno yake. C'est pourquoi Abraham appelait ce lieu Jehovah Jireh. Le Seigneur Buana. S'est pourvu d'un sacrifice. Sadaka. Il peut toujours accomplir un paradoxe. S'il peut faire cela, kama ile. Cet après-midi. Leo. Si seulement vous le prenez au mot, il peut faire un paradoxe. Un paradoxe, hein? C'est quelque chose qui est incroyable mais vrai. C'est quelque chose qui est wakuzanie lakini kia byakweli. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Ndio kile wanataka sasa kia kukushangashisha. Incroyable. Ni kusema kila kwanza kuzalia lakini unekiona. Josué. Joshua. Arrêta le soleil. Arishwa mishaka jua. C'est un paradoxe. Shin mambo ya kushangashisha. Incroyable. Na ila huwezi kuamini. Mais vrai. Lakini ya byakweli. Si Dieu kama Mungu agit avec Josué, alitenda na Joshua. Si Dieu kama Mungu agit avec Moïse, alitenda na Musa. C'était sur le sang de taureaux et de boucs. Ilikuwa chini ya damu ya banyama. A combien plus forte raison ce soir. Mara ngapi mangaribia leo. Sur le sang de Jésus-Christ. Chini ya damu ya Yesu Kristo. Ce Dieu-là. Ule mungule. Et celui que nous en avons besoin ce soir. Leo. Ayez foi. Mukwe na imani. Et que votre motif et objectif soit réellement correct. Na masababu yenu kwenye kunyoloka ya sawa. Un centenier. Askari moya. Cet homme. Ule mutu. Il n'était pas un croyant comme vous ce soir. Ata mwaminifu samwe mangaribia leo. Cet homme. Ule mutu. On lui a peut-être pas prêché comme ça toujours prêché. Mais il yake savi mbona mihubiri mwaye. Mais. Lakini. Un jour. Siku moya. Il attendant parler de Jésus. Akasikia wako nasema njoo ya Yesu. Cet homme. Ule mutu. Il est venu auprès de Jésus. Alikuya kule kwa yeye mbele ya Yesu. Dieu maître. Anasa mwalimu. J'ai un serviteur malade. Niko na mtumishi mwako mgonjwa. Je besoin que tu puisses prier pour lui. Niko lazima uende umwombee. Jésus a dit je viens. Yesu alisema niko nakuja. Si tu l'invites, il va venir. Kama unamuita Yesu atakuja hata mangaribi leo. Si tu l'invites dans ta vie, il va venir. Kama unamuita maisha yako atakuja. Amen. Amen. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Asko kangaria kila alikuyaka. Amen. Amen. Cet homme a dit à Jésus. Ule mtu alimwambia Yesu. Seigneur. Bwana. Je ne suis digne. Mishi staili. Je ne mérite même pas. Si staili hata. Que tu passes sur mon toit. Weye wendo kafika hata kunyumba yangu. Si staili. Il ne méritait pas. Asikwanze ku staili. Il était peut-être coupable. Pengine alikuwa na mankosa. Il était peut-être pécheur. Pengine alikuwa mtenda dhambi. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Lakini Yesu ashikuangalia kuchile eko. Dis maître. Asa mwalimu. Je ne suis pas digne que tu ailles sur mon toit. Si staili upate kwenda kunyumba yangu. Moi je suis un commandant de l'armée. Mie ni kushefu askari. Je peux dire à un soldat fais ceci. Mie zikuonesha askari mwafanya hivi. Il va le faire. Na atafanya. Fais cela. Fanya hivi. Il va le faire. Ule askari atafanya. Mais moi. Lakini mie. Je ne mérite pas. Mie si staili. Que tu entres dans ma maison. Wewe ndio ingie kunyumba yangu. Mais. Lakini je suis donc convaincu. Lakini niko mwenye kwa kitu. Ya kusema kama unasema kitu. Neno tu moja. Prenez Dieu au mot. Kumwambie Mungu maneno moja. Sema tu neno moja. Et mon serviteur sera guéri. Mtumishi wangu kula tapona. Jésus a regardé. Yesu anaangalia. Ni mema ni Israel. Arasata mwisho. Shona kabambi ya imani sahi. Je n'ai jamais vu une telle foi. La foi. Imani. On ne raisonne pas avec la foi. Aba fikili yake njua mambo ya imani. Croyez seulement. Amini tu. Et je frère Branham a dit. Chikuma ndugu Branham alisema. Il y a des chrétiens. Kukuba Kristo. Qui ont vécu si longtemps dans ce tabernacle. Wale basha kuishi bia mingi sana mu miaka mashiko mingi sana mu tabernacle. Bego malari mashiko mingi abapone. Eh ils sont malades beaucoup de jours en tout cas ils n'arrivent pas à la guérison. Mais des prostituées qui viennent ici. Lakini bandumba bale wanakuya hapa. Et à la foi. Mais quoi na imani? Tu ne vas pas mener à bas tous. On prie pour elle. Mais des chrétiens des années, des années. Mon Christ soit bien. Malheur pas à moi, moi Aïcha. La même maladie, ça ne termine pas. C'est frère Abraham qui l'a dit. Ni ndugu Abraham jalo na alisema. Je sais pas si j'ai la brochure. Ni shwe kamili acha ile. Fasi anasemea. Les prostituées viennent. Alors ça bandumba beko na kuya.
Bon, la prochaine Dieu voulant. Bon, pengine mashughuli unakuya Mungu akipende. Si réellement les centeniers. Kama vya kweli ule chef askari. Avait dit cela. Alisema ile. À quoi? Kwa nini? Maintenant à vous ce soir. Sasa kwenu mwe mangaribia ya leo. Lui ne méritait pas. Mais peut-être toi ce soir tu mérites. C'est le problème de la foi. Ye pengine ashukustahili lakini wewe mangaribia leo unastahili ni mambo ya imani. Ayez la foi. Mko na imani. Ne vous découragez pas. Ce soir, ce n'est pas encore tard. Ce soir, Jésus est capable de changer ton identité. Toi, sois seulement fidèle à sa parole. Obéissez à sa parole. Vivez sa parole. Et vous verrez ce que ça va produire. Les disciples diront à Jésus. Wanafunzi wakamwambia Yesu. Cet homme avait la péché ou c'est para? Huyu mtu ni yeye alitenda dhambi au ni wazazi wake ndio wakwa dhambi? Njoo apate uzali kwa kipofu. Jésus a dit c'est ni lui. Yesu anasema ana ta yeye. Ni ses parents pour qu'il laisse avec. Njoo apate uzali kwa kipofu. C'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester à lui. Utukufu wa Mungu ipate kumuonekania yeye. La situation dans laquelle tu te retrouves. Mambo leo kwamo. Amen. Amen. C'est Dieu. Ni Mungu. Quand ils ont dit, wakati barisema, ce n'est ni lui, aina ta yeye, ni ses parents, ata bazazi yake, pour qu'il naisse avec. Tu apate kuzaliwa kwa kipofu. La situation dans laquelle tu te retrouves. Mambo ile na wewe ukwamo leo. Ce n'est ni peut-être, ce n'est même pas toi. Aina pengine ata mambo yako. Ni tes parents. Aina ata bazazi yako. Pour que tu te retrouves dans des difficultés yetu ya. Unajikuta ndio barafanishisha kwa magumu ile uko amo. Peut-être mon famille va la coûter considérable. Peut-être dans la famille on ne te prend pas avec valeur. Vu là on a la moyen. Comme tu n'as pas de moyens. C'est dit mambo on a eu pas à kumwisho basa na kuisha. En tout cas toi on te reconnaît toujours à la fin, ils ont déjà terminé. Dieu on a la moyen, on a la valeur. Parce que tu n'as pas de moyens, on en a bei. Dans la situation. Mambo. Dans laquelle tu te retrouves. Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu ashikutupe. Bien mes frères et sœurs. Mapenda ndugu na dada. Kuku tamwa tunalala tu kunaomba. Ya e mama nous prions. Uko unaona ça Mungu akunashikia. Tu vois comme si Dieu. Ça ashikie. Écoute comme s'il n'écoute pas. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Faisez attention. Ke beniange. Alléluia. Unaona ça utona kwa tandoto. Aina ko kimya. Tu as besoin d'avoir même un songe mais silence. On est examiné. Tu t'examines. Il n'y a rien qui te condamne. Hakuna hata kitu kimoja kinakuhukumu ndani yako. Peut-être c'est dans la situation dans laquelle tu te retrouves ce soir. Pengine ndio mambo yale kwa mangaribi ya leo. Ne vous découragez pas. Usipungukiwe nguvu. Comme je l'ai toujours dit. Sabili mnasema kila siku. Ce soir. Mangaribi ya leo. Change ta position. Badilisha tu msimamo wako. Change ta position de pied. Badilisha tu namna yako. Change ta position. Badilisha. Dieu aussi. Mungu naye. Changera ta situation. Naye atabadilisha mambo yako. Et la foi. Ne vous découragez pas. Ce soir. Demande à Jésus. Seigneur. Je l'ai toujours dit. Quand Christ était mort à la croix. Ma soeur tu n'étais pas là. Mon frère tu n'étais pas là. Même moi non plus. Quand Christ était mort à la croix. Moi je n'étais pas là. Mais il n'y a qu'une seule chose. Qui m'assure. Que le prix a été payé à la croix. Que le pied était payé à la croix. Il nous a laissé le testament. Ce soir, il y a le testament. Dans le testament, il y a toutes tes promesses bénies. Dans le testament, il y a toutes les promesses. Si tu crois, ce soir, que le pied était payé à la croix, l'impossible sera possible. Si tu crois, alléluia. Amen. Si tu crois, que le pied était payé à la croix. L'opposition se changera en soumission. Ce soir, le Dieu de Branham agit. Le Dieu de Moïse agit. Le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego agit. Il ne change pas sa manière d'agir.
Amen. Amen. Ce soir, c'est ton droit de réclamer la bonne santé. C'est ton droit de réclamer ta guérison. C'est ton droit de réclamer un bon boulot. C'est ton droit de réclamer. Aujourd'hui, alléluia. Ce soir, c'est ton droit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Martha. Lazare, 4 jours dans la tombe. Lazare, ma sikuine mkaburi. Bien mes frères et sœurs. Si quelque chose est impossible, c'est impossible à Dieu. Kama kukindu moya akiwezekane kwa Mungu. Et là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où notre Dieu prend des élèves. Alléluia. Amen. Jésus, yes. Vous avez venu lui dire que Lazare, ton ami qui était toujours aimé, il est malade. Priez pour sa tête, les gens. Je vais laisser encore la situation s'aggraver. Et si je le donnais ceci, les gens ne doivent pas voir la grandeur de Dieu. Il laisse encore la situation s'aggraver. Gardez la foi. C'est comme ça que c'était même pour Anna. Anna ria. Elle a pleuré. Au point où Mujipimo. Sa rivale commence à se moquer d'elle. Toujours les mêmes gens là. Va changer l'angle. Comme je l'ai toujours dit, le fruit de l'arbre ne tombe pas loin de l'arbre. Mais je le déclare ce soir. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, va t'élever au même endroit que tu as été humilié. Alléluia. Lazare est malade. Frères et sœurs, il a dit, retournons à Judée. Tu rudie ku Judea. Ukunaomba. Tu pries. Mungu langaria. Dieu regarde. Mungu la face à la face ambla. Dieu. Alors tu étais maman déjà gravé. Pierre pouvait dire, on a sabu wala sabu. Asi ku sabu dada yangu. Il m'a oublié. Anayo mambo yako. Il connaît ton problème. Sont allés. Banenda. Jésus a dit. Yesu anasema. Lazare dort. Lazare en lalala. Il a dit ouvertement que notre ami Lazare est mort. Anasema rafiki yetu anabambia sasa wazi wazi anasema rafiki yetu Lazare anakufa. Allons le réveiller. Twende tukamlamushe. Ils sont allés. Bakaenda. Tout à coup Martha. Baka pale Martha. Asikia Yesu anaanza kuya. Na écoutez que Jésus est. Anaenda. Il est allé. Anaenda. Il est allé. Seigneur. Bwana. Ah. Ah. Peut-être na mukirio mwenyewe anasema unaona. Peut-être Odeo avait dit que tu vois. Na ukirio alikuwa malari. Mwenzake mwenyewe anaanza kusema yeye atumuone. Voilà, il était malade, mais son ami qu'il disait en tout cas, on l'a pas vu. Anakufa na kufwa. Il est même mort. Comment n'attend pas kirio. Mais on l'a pas vu même Odeo. Lui, yeye. Il ne vient jamais en retard. Il vient au moment opportun. Anakuwaka Musa yake la pendema ya kufika. Wakati nayo fa. Unaona sana kusabu. Wakati wako msi ta oublié. Asikusabu ikone. Non, tu oublies pas. Attends. Anachunga wakati yake. Il arrive toujours à son temps. Marthe. Marthe. Tena Israelita bacheze chaque. C'est sa ville. Comme alikuwa malara shikui. Il était malade, il n'était pas venu. On a fait même le deuil, mais il n'est pas venu. Kama na kuya sema fa aventure. Si veut qu'il puisse faire son aventure ici, il verra. Nous allons les lapider. Frère, Nduku. Marthe est venu. Marthe na kuya. Seigneur, Bwana. Si tu étais là. Kama urguaka papa. Notre frère Lazare. Si tu es Lazare. Ne devait pas mourir. Ah, je passe kufa. Alléluia. Amen. Bon, ben on a ça. Et on vit comme. Yes, on connaît retard. Jésus était venu en retard. Avant Lazare couffoyé Rio. Avant que Lazare ne meure, lui connaissait. Parce qu'il est fini. Il connaît la fin d'une chose depuis le commencement. Yes, a dit, Jésus a dit. Yes, on anasema. Marthe. Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kama mon ami nous t'en a tout couffoyé Mungu. Ton frère Lazare. Ndugu yako Lazaro. Va ressusciter. Atafufuka. Ah. Yalona ça. Elle a vu que Seigneur, je sais.
qui le ressuscitera? Ma sœur, usiwaze bya kesho. Ne pense pas pour demain. Alléluia. Amen. Usiwaze bya kesho. Ne pense pas pour demain. Ce soir, si tu as la foi, utarudia hivi, unaenda kuvivre miracle. Na dimanche na kwa unachudia. Le dimanche tu viens témoigner. Ule Yesu moya moya ule wa Lazare. Même Jésus de Lazare. Jole tumune ni ubiri magharibi ya leo. Asibadilike. Ne change pas. Kama ni pekao wa Lazare, atatusaidia kulini. À quoi est-ce qu'il me servira? Martha, c'est je sais. Martha, c'est ma mina. Tu le ressusciteras. Ata fufukaka. Jésus a dit. Et sur la sema. Je suis. Niko. La résurrection. Ufufuko. Et la vie. Na uzima. Celui qui croit en moi. Ula na mianimi. Viens à moi. Anakuwa kwangu. Ataishi hata kwa kufa. Et il vivra en tant que mort. Ata vitu viendeke. Même si les choses ne marchent pas. C'est ce que Salomon avait dit. Ndio ile Salomon alisemaka. C'est qui est courbé. Ne peut être redressé. Et là où il n'y a rien, il ne peut y avoir de l'espoir. C'était cette femme. Elle avait cette écriture au-dedans d'elle. Elle avait la cabo aussi. Elle avait perdu l'espoir. Qu'un jour elle pouvait avoir un bon mari. Elle avait perdu l'espoir. Qu'un jour sa vie pouvait avoir un sens. Mon frère, ma sœur, elle était allée au temple. Tel que tu viens à l'église, tout le monde te déconsidère. Tu penses que c'est fini? Que ouais, un jour, est-ce que tu as un étage? Tu perds l'espoir. Mais cette femme, quand entre dans le temple, Jésus lui a regardé. Lui a dit: femme, veux-tu être guérie? La femme a dit: Seigneur, je sais que Salomon a venu. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Et là où il n'y a rien, il ne peut y avoir l'espoir. Mais Jésus lui a dit: ce soir, il y a plus que Salomon. Ce soir, il y a plus que ta maladie. Ce soir, il y a plus que ton problème. Alléluia. Alléluia. Les paroles des hommes. Attends-moi mon famille. Même dans votre famille. Parce que ouais, où t'endeleaka. On a toujours dit que toi tu n'avanceras pas. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et la vérité. Ni ukweli. Toi tiens ce que Dieu a dit. Oui, les mêmes gens. Bah, changer langage. Ils vont changer le langage. Cette année-ci. Dis-moi, ça doit être l'année de la différence. Cette année-ci. Dis-moi, alléluia. Lazare. Diacre, remis au tout. Attends 3 minutes. Diacre, accorde-moi même 3 minutes. Dis-moi toi ta histoire à Lazare. Amen. Amen. D'ici à Lazare. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Allons. Sasa. Marie n'angaria. Marie a regardé. Seigneur. Bwana. Si tu étais là. Lazare. Ne devait pas mourir. Jésus a dit: Yesu anasema. Twende murenda murumweka wapi? Où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Amen. Maria, c'est Seigneur. Sabona. Il a fait 4 jours. Ana pama siku ine. Ne t'ai-je pas dit? Mais je kwambia kusema. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Banafika. Ils sont arrivés. Angara kiribo kinene. Regarde une grosse pierre. Qui pipifie l'incrédulité. Iko naonesha kutokuamini. Frère, nduku. Nous avons notre appareil céleste qui a ne fils que 5 chiffres. Tukutuna appareil yetu ya kumbingu iko tuna ma chiffre 5. G E E S S I U S S Jésus. Cet appareil. Il est appareil. Même là il n'y a pas de réseau. Il est permanent. Yo, ikwa, parce réseau que la Bible dit. Bible même dans les ventres du poisson. Ata si tu pries, je t'écouterai. Minta kusikia. Cet appareil. Il est appareil. Ata una na unité. Même si tu n'as pas d'unité. Unité est une imani. Notre unité c'est parce la foi. Parce que sans la foi. La il est impossible de plaire à Dieu. Mais que celui qui s'approche. Qui le croit. Que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Analipaka bale bote wanakalama na mtafuta. Où est-ce que vous l'avez mis? Ulimweka wapi? Hapa. Ici. Il fait 4 jours. Alors, femme, c'est quoi, Jésus a dit: Yesu anasema, ôtez la pierre. Ôtez les doutes. Ôtez l'incrédulité. Moi, mie, je dois agir. Mina pas kutenda. Ôtez les doutes. Ôtez l'incrédulité. Ce soir, leo, il va agir. Atatenda.
Et quand Jésus se réveille devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Alléluia. Les gens regardaient comme il l'aimait, son ami, Rafiake. Mais Jésus, Yesu, quand il plairait, c'est parce que les gens ne croyaient pas. Mais du Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, c'est à cause de ces grandes multitudes qui m'entourent. Il a dit, s'il avait dit les morts sortaient, les morts allaient tous sortir. Mais comme c'était le jour de Lazare, comme c'est ton jour aujourd'hui, comme c'est ton jour aujourd'hui, il doit agir. Lazare, sort par la parole. La parole a créé la vie. Alléluia. Amen. Lazare, sa maison. Nyumbake. Peut-être les gens ne venaient pas pour le visiter. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. On les déconsidérait. Mais ce jour-là, sa maison était un lieu touristique. Alléluia. Sa maison Nyumbake avait une adresse. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, Jésus ce soir, Yesu, il est capable de ressusciter. Bile bito bekwanze kwendeka. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, l'opposition se changera en soumission. Le Dieu de Branham agit ce soir. Le Dieu d'Élie agit ce soir. Le Dieu de Messieurs Shadrach dans la fournaise, il agit ce soir. Si tu crois, l'impossible sera possible. Pourquoi? Il a plié tout à la croix. Il a venu. Tout est accompli. Quand il était mort, il est descendu au séjour de mort. Le diable avait des clés. Le séjour de mort et de mort. Jésus lui a dit, c'est la clé pour ta délivrance. C'est la clé pour ta guérison. C'est la clé pour ton problème. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu soit loué.